Celle-là, elle vous permet de mettre votre adversaire direct à 10 points. C'est la grosse information de la soirée. Exactement, c'est l'objectif de la soirée, c'est réalisé. On est très content pour le groupe. Ça a été un match par moments difficile, notamment en première période. Qu'est-ce qui a dû changer pour essayer justement d'apporter un petit peu plus de danger sur le but amiénois? Je pense que ce qui a fait notre force et la différence ce soir, c'est notre état d'esprit. La vie du vestiaire qui a fait la différence avec les rentrées et notre force et notre caractère de vouloir gagner. En quoi justement la vie du vestiaire change quelque chose dans une rencontre comme celle-là? Avec l'apport du banc seulement ou dans l'état d'esprit, vous avez senti quelque chose de très vivant? Les deux, dans l'état d'esprit et dans l'apport du banc aussi. Quand il y a un effort à faire, on le fait pour le copain et on le fait pas à moitié, on le fait vraiment à fond. Ça fait deux rencontres avec Toulouse, là, deux moments charnières peut-être dans la saison pour l'objectif maintien qui se sont bien passés. Il reste un troisième, après on y verra un peu plus clair. Merci beaucoup Julien, félicitations. Ouais. On fait deux mots, tu dis. Merci, t'étais sous la douche. Ouais. Allez, on y va. Irvine, vous avez beaucoup essayé personnellement. Des fois, même pas essayé. Des fois, vous n'avez pas voulu reprendre le ballon. Enfin, on se disait, il faut qu'il reprenne, il faut qu'il frappe, etc. En fait, finalement, ça vous a réussi. C'est quoi le sentiment là quand vous marquez? C'est de la délivrance? Ouais, on peut dire que c'est de la délivrance. Un partout, il reste, je crois, 8 minutes derrière. Donc oui, on peut dire de la délivrance, c'était important pour nous de gagner. On a besoin de points et là, c'est les matchs qui sont, on va dire, à notre portée. Donc on se devait de gagner, surtout à domicile. C'était une vraie bataille sur le terrain, on sentait que c'était un match très engagé. Pas forcément avec beaucoup de réussite dans tout ce que tout le monde tentait des deux côtés, mais qu'il fallait absolument gagner, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets. Après, voilà, eux comme nous, on a tous besoin de points et c'est des équipes de notre niveau. Donc c'était un combat aujourd'hui sur le terrain, il fallait gagner. Quand on voit performer comme ça, est-ce que ça vous laisse pas des regrets par rapport à Monaco? Ou est-ce que Monaco doit pas avoir des regrets par rapport à vous? Parce qu'on voit qu'ils sont toujours en train de rechercher des attaquants. Vous étiez à Monaco? Ouais, c'est vrai. Après, comme on dit dans la vie, il ne faut pas avoir des regrets. Aujourd'hui, je suis ici, je suis content d'être ici et j'ai voulu bien dans cette équipe. Donc, c'est bien. C'est pas comme ça. Alors, peut-être que eux doivent avoir des regrets. Je sais pas, faudra leur demander. Parce qu'ils cherchent toujours des attaquants, c'est pour ça que je vous dis ça. Ouais, bon, après, ils ont quand même des bons attaquants qui sont là-bas et. Ils ont une bonne paire qui marche bien aussi en ce moment, donc je ne me fais pas de soucis pour eux. Et vous, vous êtes bien là, ça se voit? Oui, je suis bien. Après, depuis le début, je lui dis que je suis bien ici et c'est cool. C'est cool. Merci à toi. Merci. Merci, Irvine. Bonne soirée. Normal. Là. Coach, il y a des choses intéressantes à Brest. Pas forcément dans la réalisation, mais dans l'intention. On sent que... Voilà, il y a un fond de jeu, il y a des joueurs qui sont intéressants, qui ont raté beaucoup de choses ce soir, mais au final, vous gagnez et ça fait deux matchs, c'était presque deux finales qui sont gagnées. C'était deux matchs très importants pour nous, effectivement. C'est toujours des matchs âpres, difficiles quand même. On a vu ce soir,
pas toujours été dans la réalisation, effectivement, notamment sur la première mi-temps où on arrivait à s'approcher du but adverse, mais on a été maladroit, imprécis. Et puis après, en deuxième mi-temps, on est parti avec d'autres intentions. Malheureusement, ça allait d'un côté et de l'autre. Il y avait beaucoup de duels, c'était âpre. Et bon, on prend ce pénalty. Donc, pas toujours simple ce genre de match. Par contre, de sortir vainqueur de ce genre de match, c'est bien. Ouais, on sent une force. Attends. On sent une force collective à domicile. C'est vraiment très compliqué. Alors, pas que pour Amiens, hein, que pour toutes les équipes, à part Paris peut-être, mais et encore, toutes les équipes qui viennent ici. Comment vous l'expliquez ? Ouais, je pense que les joueurs se sentent à l'aise, se sentent portés aussi par le public. C'est quelque chose de très important. Je répète toujours qu'il y a une sorte d'énergie ici qui aide les joueurs, qui descend des tribunes, qui galvanise. La pluie. La pluie, ça, nous on est habitués. Peut-être que l'adversaire un peu moins. Mais non, je pense que ça vient des tribunes, ça vient du stade. Il y a quelque chose qui, quand je suis arrivé ici, j'ai ressenti de suite. Il y avait quelque chose qui aidait. Et on en a bien besoin. Voilà, je dis, répète, sur des matchs comme ça, c'est important. Ouais, le football à Brest, c'est quelque chose d'assez fort. Vous allez me dire que le maintien, ça reste l'objectif, mais là, les équipes comme Nîmes, Toulouse sont maintenant très très loin de vous. Est-ce que vous ne pourriez pas avoir d'autres envies, d'autres objectifs ? Oui, bien sûr, mais ça viendra petit à petit. Je pense encore, c'est un peu frais, j'allais dire, ce qui nous arrive. Là, on vient de gagner deux fois, donc ça nous fait un bon avant, mais on n'avait que 28 points. Donc il faudra quand même aller chercher d'autres points. Après, je pense... Après 21 journées, non, c'est quand même pas mal. Oui, c'est presque... Oui, on n'avait pas tablé sur cela, mais on est très contents. Effectivement, on est très, très heureux d'avoir ces points. Et je pense que ça doit nous aider à avoir un peu plus de confiance. Je trouve que des fois, et notamment peut-être un peu plus à l'extérieur, où on est un peu plus fébrile, on n'a pas toujours cette force qui descend des tribunes, pour être encore un peu plus fort. Je pense que ça fait 6 mois déjà que les garçons sont habitués maintenant à la Ligue 1. Il y en a beaucoup qui ont découvert. Et maintenant, il faudrait passer à autre chose, effectivement, un peu plus, j'allais dire, réaliste, un peu plus précis dans certaines phases de jeu. Le jeu aussi, on vous connaît, on sait ce que vous êtes capable de produire, vous, en tant qu'entraîneur. Voilà, ça reste un fondamental pour vous, le jeu. Si Brest s'en sort, ce sera aussi, on le voit d'ailleurs avec le jeu. Oui. Puis j'ai des joueurs qui veulent ça aussi. Donc on est d'accord entre les joueurs et le staff là-dessus. Déjà, c'est déjà pas mal. Après, il faut qu'il y ait une réalisation. Et le jeu n'empêche pas l'engagement. Ce soir, il y avait beaucoup plus d'engagement parce qu'en face aussi, il y avait du répondant. Et je voulais qu'on soit au moins à égalité avec eux sur l'engagement physique. Après, je savais qu'avec les attaquants que j'ai, à tout moment, on peut marquer.